Salut les gars. J'ai c'est vraiment quand tu commences. Bienvenue à l'épisode 71 des films dans le cabanon. Avant de commencer, on remercie la microbrasserie Les Grands Bois, comme toujours. Et on remercie également Cuisinique, qui font des meubles sur mesure. Si vous avez besoin de petit quelque chose, un petit meuble funky, allez voir ce qu'ils font sur Facebook et Instagram. Et ils ont un site web maintenant. Oui, c'est cuisinique.com. Cuisinique.com. Allez voir ça, c'est vraiment très beau. Aujourd'hui, le film, en fait, je vais parler de l'année passée. Il y a à peu près un an, on avait fait le film, un épisode sur le A Talking Cat. Un de nos premiers épisodes sur Zoom, c'est un peu triste. Oui, ça fait oui. Que... Quand on pensait que ça allait durer 2-3 épisodes. Ouais. Mais il faut voir le positif. On s'est quand même amélioré côté technique, mettons. Parce que tu sais quoi, cet épisode-là, hey boy, Jean-Gab, tu sonnes le cul, puis c'est de ta faute. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Parce que c'est... Oui, non, c'est vrai. Parce que c'est... Jean-Gab, il tient son 58, mais il a le son des écouteurs de iPhone. Ouais, mais il y a quand même l'intro que tu l'expliques, que tu sonnes. Je pense qu'il y a deux épisodes que tu sonnes le cul à cause de ma carte de son qui avait chié, puis on dit que ça passe sur ton dos parce que c'est tout. Oui, 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 c'est vrai. Ouais. Parce que moi, mon son, initialement, il était correct, mais c'est sa carte de son à lui qui a chié. Puis, en fait, on avait fait cet épisode-là, Talking Cat, puis le film était quand même assez pénible, ça avait ses moments. Did someone mention my name? Never mind. C'est un film réalisé par David DeCoteau. Fait que je dis, ben, on va y laisser une autre chance à David DeCoteau. Puis on a écouté Voodoo Academy, puis c'est une autre déception, mais c'est moitié-moitié. Je sais pas, on dirait qu'avec du recul, c'est parce que la première moitié est à chier, la deuxième, ça décolle, mais il y a des bonnes longueurs quand même, là, ce film-là. I thought you were gone for the evening. Just for you. Voodoo Academy, c'est un gay porn, je veux dire un film d'horreur, un film d'horreur américain d'une durée de 92 minutes qui est sorti le 1er août 2000 directement en VHS. Puis, c'est pas de la misère à le croire parce que c'est assez. Non, c'est pas mal sa place. C'est ça, c'est d'ailleurs, 55 000 le budget. C'est pas. La cote sur la VHS n'était pas la même que celle qu'on a vue. Oui, oui, ben oui, on va y revenir plus tard, mais oui, il y a une version, la version en DVD puis la version qu'on a vue, elle a 23 minutes de plus, là, c'est la Darker Stuff. Oui, de plus de gayness. La de Coteau cut, comme la de ouais. Release de Coteau cut. Le synopsis va comme suit. Christopher est admis au Carmichael Bible College, une université religieuse, et fait la connaissance des élèves ainsi que du révérend et la directrice, la belle Madame Bouvier. Au cours des nuits suivantes, il remarquera que ses camarades se font un par un transformer en poupées. Fait que c'est juste une histoire. Il s'en rend pas tant compte avant la fin. Oui, c'est assez de base. C'est juste comme c'est une espèce de faux collège, une université, puis que les dirigeants, c'est des vous, lui font... Comment qu'on appelle ça? La magie voodoo? Là. Cas, la sorcellerie. Là. La sorcellerie, moi, ouais. La sorcellerie redorée. Les enfants chrétiens sont habituellement des proies faciles. Ah, imagine là, le monde, les religieux qui écoutent ce film-là. Ils capoteraient sa face. Ouais, c'est ça. La sorcellerie et l'homosexualité, même s'il n'y a pas d'homosexualité dans le film, mais... C'est très, très, très homoérotique. Il y en a pas, tabarnak. Il y en a pas, mais on va le dire tout de suite, il y a beaucoup, beaucoup de moments que les gars, ils se caressent la chest, mais ils font tout en pensant à une fille, la seule fille du film. Il y a 5 hommes qui dorment dans des petits lits simples, aspirin, dans une même chambre, sont toutes nues de chest avec des bobettes blanches tête, puis ils tu flattes longuement le chest en dos. Hey, les scènes sont longues. Ouais, là, c'est long. C'est long, mais c'est drôle. C'est tellement de répétitions, c'en est drôle. C'est écrit par Matthew Jason Walsh, qui a écrit plusieurs autres films de David DeCoteau. David DeCoteau qui a quand même 170 crédits de réalisateur sur IMDb. Ça n'a pas de bon sens à quel point il fait des films. Il y en a 169. Ah oui, il y en a un qui n'est pas sorti encore, qui est 169. Ouais. 169. 69. On en avait parlé dans l'épisode de Hot Talking Cat. Je veux rappeler que David DeCoteau, sa filmographie, ça varie beaucoup entre. C'est soit des films d'horreur homoérotiques
ou des films pour enfants avec des animaux qui parlent. Je sais pas si on en a parlé la dernière fois, mais tu sais, j'ai comme essayé de fouiller, de trouver un titre un peu random qui attirait mon regard pour savoir c'est quoi le prochain film de David Descoteaux qu'on allait faire. Puis je pense que je l'ai trouvé. C'est 13-13 Cougar Cult. Puis c'est trois cougars, des femmes cougars, qui vont comme héberger trois jeunes hommes, puis elles se transforment en cougars. Moi, je trouve ça crissement malade. OK, c'est comme Wonder Woman 2. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en plein ça. Cult filmmaker David Dakota's 13-13 Cougar Cult. These cougars eat their cubs. Il a aussi réalisé beaucoup de trailers pour le Lifetime Movie Network. Il a réalisé une série de films, 25 films, qui commencent tous par The Wrong. Par exemple, The Wrong Child, The Wrong Student, The Wrong Stepmother, The Wrong Real Estate. c'est récent, ça, quand même. Oui, dans les cinq, de 2016 à 2021, dans les cinq dernières années, c'est des films canado-américains produits, qui sont tous produits par une même femme qui joue dans tous ces films-là. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs récurrents dans ces films-là. Mais t'as vu, 25 films, t'as dit? Oui, 25 films. En 5 ans? En 5 ans. Mais c'est du TV movie, là, puis c'est vraiment de l'usine à saucisses. Là, c'est du Hallmark Channel, mais là, c'est le Lifetime Movie Network. Puis il y en a un là-dedans qui s'appelle The Wedding Planner de 2020, qui réunit David Descoteaux et Greg Sestero pour la première fois, je pense, depuis Retro Puppet Master, était dans les premiers longs-métrages de Sestero. Fait que j'étais pas au courant que Greg avait joué dans un David Descoteaux l'année passée. J'aimerais bien ça voir un extrait. Yeah, I know what you're talking about. She's not here anymore, though. She moved out? A few days ago. Really? She paid through the end of the month, didn't even ask for a partial refund, which lots of people do, even though Lisa's not entitled to it. C'est plate! J'ai le feeling que la très, très grande majorité de ces films, c'est des films de cabanon. Oui. Probablement, oui. Puis il y en a un que je vous avais envoyé récemment, puis je n'avais pas réalisé que c'était un film de David Descoteaux. C'est un film qui s'appelle Sorority Babes in the Slime Ball Bolorama. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est débile. Ça a l'air malade. Nowhere to run to. David Descoteaux même, je suis sûr que même dans ses self-aware, c'est de l'ostinale parce qu'il n'a pas l'air d'avoir énormément de talent. Hein, t'sais, c'est même ben, lui, c'est la quantité, pas la qualité qui compte. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai pas réussi à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que ce film-là, pour moi, est si so bad it's good, là, dans le sens que si tu la réalisation, si tu la photo, si tu le scénario, si tu l'acting, je sais pas. C'est comme ben, tout ça, mettons. Un peu tout, là. C'est le design sonore, les effets spéciaux, l'acting, le scénario. Mais tu sais, si tu la photo. Je sais pas si c'est 100% de sa faute à lui. Mettons, à sa défense, là, puis même dans Talking Cat, c'était, l'acting, c'est pas si pire. Les acteurs, c'était pas ça qui me faisait dire, bah, lui, il est mauvais. Là, ouais. C'est comparativement, mettons, les films de Neil Breen. David Descoteaux, on dirait qu'il y a certains des acteurs qui ont l'air professionnels. Un peu, c'est souvent des nobody, là, mais c'est pas le point faible. T'as peu, c'est pas tous des nobody. Là. Il y a Drew Fuller qui joue Paul. Hi. Ce gars-là, il jouait dans le clip de The Calling pour la chanson If I could, then I would. I'm going wherever you will go. Ça a-tu un nom, ça, ce type de chant-là? Avec la langue dans la gorge. Je sais pas c'est quoi. Le type Creed, je sais pas d'où ça vient. Ça me fait tellement rire. Bref, David Descoteaux, c'est un réalisateur vraiment particulier. Puis je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'on en a quand même parlé pas mal dans l'épisode de Talking Cat. Puis on va y revenir aussi. Ouais, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter l'épisode de Talking Cat si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'on est rendu lâche, hein? Allez voir l'épisode qu'on a fait il y a un an, on ne parle pas de ça. Je ne vais pas répéter exactement ce que j'ai dit. Oh, il y a un film avec un poney qui parle, un film d'Halloween avec un petit chien, puis ouais, c'est ça. Hey, mais on a toutes les raisons du monde d'être rendu lâche. Juste avant qu'on enregistre ça aujourd'hui, je suis retourné voir l'épisode de Talking Cat pour pas trop qu'on se répète. Puis j'étais comme fuck, on était tellement plus mince. Ah ouais, pour vrai? Moi, je rentrais dans un t-shirt là, qui me fait plus, mais plus pantoute. Là.
Ouais, ouais. C'était, c'était au tout début de la pandémie. Là. On n'avait pas encore l'excuse. De, là. Je ne veux pas dire que c'est une excuse, mais c'est un peu ça pareil. Là. On a pris du poids à cause de la pandémie. Mais ouais, j'ai pris un bon 15 livres, là, mais je redescends moi, tranquillement. Là. Oh, délicieux. Le film met en vedette Debra Meyer dans le rôle de Madame Bouvier. Madame Bouvier! Madame Bouvier! La seule femme du film, je pense que je l'ai dit tantôt, il n'y a pas beaucoup de rôles qui ont retenu mon attention, à part une infirmière dans The Ginger Dead Man 2005, un slasher avec un bonhomme en pain d'épices qui tue du monde, qui est fort probablement un film de cabanon. Run, run, as fast as you can. Something's in the oven, The Ginger Dead Man. Evil never tasted so good. Eat me, you punk bitch! Mais ça, ça, c'est drôle parce que ça a été réalisé par Charles Band, le producteur exécutif de Voodoo Academy. Fait que tout est dans tout. Tout est dans tout. Il y a aussi, ouais, c'est une clique, ça. C'est vraiment une clique. Ouais, ouais, probablement. Puis il y a aussi Riley Smith dans le rôle de Christopher, le protagoniste, qui a joué dans plusieurs trucs, dont pas encore un film d'ado de 2011. Oui, hey, puis dans pas encore un film d'ado, il jouait le rôle de Les. Et Huntley Ritter, lui, il jouait le rôle de Les dans Le Tout pour le Tout. Ouais, je pense qu'il y a un des acteurs qui a parodié le rôle de son collègue acteur de Voodoo Academy. Pas encore un film d'ado, là. Anto, t'as pas encore vu ce film-là. Non. Mais pourquoi tu cherches la VFQ? Pourquoi t'es obsédé par ça si t'aimes pas le film? Parce que moi, quand il y a une VFQ qui existe... d'un film que j'aurais écouté en VFQ dans ces années-là, mettons. Non, ça m'obsède. Genre, j'ai pas le goût d'écouter une VFF. Je pourrais l'écouter en VO. Là. Ouais. Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est un film que je vais pas écouter 25 fois. Fait que j'aimerais ça l'écouter en VFQ. T'sais. Tu veux l'écouter comme si t'étais dans le temps, mettons. Exact. Ça fait longtemps là, que tu t'as cherches, là. Ouais, ouais. Hey, pis mais pour vrai, moi, j'ai ça un peu là, avec les stoners, les teen movies de ces années-là. T'sais, Harold et Kumar, Chasse le Burger, c'est un film que je réécoute là, régulièrement. Puis sur peut-être, je sais pas, moi, 12 écoutes, 15 écoutes. Si je l'ai écouté une fois en VO, c'est beau. Là, ah ouais. Ah, ouais, donc, ouais. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ouais, donc, là, fais donc la scène avec NPH dans le char. Oh, c'est loin, mais je pense que c'est toi. On pourrait s'arrêter dans un bar de striptease, prendre quelques salopes. Le doogie fait toujours mouiller les stripteaseuses. Dans sa 10. Félicitations. Les autres acteurs, ben, c'est des beaux gosses dont la carrière est peu intéressante. Fait que je les ai pas notés à part l'autre. Attends, qui a joué t'as parlé dans... de Riley Smith. Riley ouais. Smith, il jouait le Love Interest dans New York Minute avec les jumelles Olsen. Ah. Le film c'est à New York avec les jumelles Olsen. Okay, ouais. On a parlé deux, trois fois au podcast. Ouais, ça se fait. Je m'ont ramené ça sur la table. Je ne l'ai pas noté parce que je me calise de ce film. Je n'ai pas vu ce film-là, fait que je sais voyons, pas. Voyons, c'est le film des jumelles Olsen avec Simple Plan et Eugene Levy. Donc, c'est juste une petite plug de Simple Plan tout le long. Là. Non, ils sont là rien qu'une fois. Ouais, mais c'est pas ça la caisse. On s'envoie un show de Simple Plan, puis c'est ça tout le long. Puis Ouais, mais c'est pas tant le show de Simple Plan. En fait, c'est que dans. Je connais ben trop ce film-là, là, mais il y a une des jumelles Olsen qui est très, très placée dans la vie, puis l'autre, c'est comme une punk rockeuse, puis elle a une démo, puis elle veut donner ça comme à des producteurs. Fait qu'ils vont à un genre de show de Simple Plan, puis là, elle donne ses CD à tout le monde. Puis ils ont loafé l'école. Fait qu'Eugene Levy les poursuit dans la ville. On part-tu des jumelles Olsen encore pour une demi-heure, mettons? Ah ouais, le jeu de puzzle au Game Boy Color. Ah ouais, le jeu d'apprentissage de conduite, de permis de conduire. Là, au GameCube? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors bon. Je vais mentionner que le perchiste du film s'appelle Robert Fisher. Il a fait une excellente job. Ouais, ouais, on le voit pas partout. Il crève l'écran. D'ailleurs, il a été perché dans seulement trois films et Voodoo Academy, c'est sa dernière gig de perche. Puis on se demande pourquoi. Pour vrai, c'est on pourrait faire un drinking game pour le nombre de fois qu'on voit la perche dans l'écran. Là. C'est ben moi, le pire, par exemple, j'ai pas tant remarqué.
Il y a une fois, j'ai remarqué pas mal, mais j'ai pas tant... Non, c'est souvent... Mais quand ça commence dans une scène, là, c'est comme 10-12 fois dans la même scène. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une fois que je l'ai vu, comme genre, je regardais juste ça, même quand même, j'écoutais plus le film. Je regardais en haut, on voit l'ombre. Il y a la part voilà. Que je vois des hommes en chest se caresser, les gars, mon focus. Là, c'est ça, c'est ça qui arrive avec David Descoteaux. Quand les gars sont habillés dans un shot, il est pas focus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il faut dire que le film, c'est quasiment un gay porn, fait que ça prenait des perches à l'écran. Fait que voilà. Pour vrai, ouais, c'est voulu. Ouais. C'est voulu. C'est un gay soft porn. Manipuler les paquets avec précaution. Oh oui. Faire les livraisons spéciales. J'ai un paquet pour toi. Livraison spéciale. On les présente la crème des facteurs. On est rendu au survol du film. Le film commence avec un establishing shot qui revient souvent dans le film, establishing shot d'un manoir. Puis là, il y a du tonnerre. Puis là, on voit un dos qui se fait déshabiller par une femme. Puis on voit des beaux boxeurs blancs. Blanc cassé, blanc crème. Puis là, on voit le révérend Carmichael qui regarde ça en se frottant. Ouais. Il est vraiment habillé comme un révérend, un curé. Il enlève un prêtre. Un prêtre. Il enlève son petit collet là, blanc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Puis il défait sa robe. Puis il est vraiment en chest, mais shapé. Puis il se caresse. Ça ne sert à rien. Là, c'est juste comme... Son petit collet qui est clairement le symbole d'une queue qui bande. Ouais, c'est ça. Dessus. Moi aussi, je pense. Tu pourrais même mettre le son de flûte traversière de Junior d'un jeune Québécois. Ouais. Il y a de quoi qui m'a gossé tout le long du film. Les gars, mettons que vous êtes bien excités, là. Tu sais, vous êtes excités, vous êtes avec votre blonde ou whatever, ou avant de vous toucher. Est-ce que vous vous caressez? Mettons, comme ça. Non. Parce que le symbole de l'érotisme de ce film-là, c'est des hommes qui se flattent le chest, mettons. Ils sont jamais bandés. Il faut juste se flatter le chest puis ils se touchent jamais le pénis. Puis c'est peut-être moi, là, c'est peut-être moi le problème. Là. Mais moi, mettons, dans ma sexualité, qu'elle soit solo ou en équipe, je fais pas ça, me frotter le chest, mettons. Je ne pense à rien pendant que je me masturbe. Pour défendre le film, je pense qu'il faut juste pas montrer... Pour pas que ce soit un point, il faut pas montrer les gars qui se crossent, là, vraiment. Il faut pas montrer un pénis. Fait que comment qu'on peut montrer ça? À la bleue nuit un peu, ben on va se caresser. Ouais. C'est érotique. C'est pas de la porn. Là. C'est juste sous-entendu. Je pense que c'est ça. Mais en même temps, ça mène à rien. Pourquoi plus tard, il y a des gars qui se caressent, puis c'est comme un petit peu plus justifié. Mais là, le prêtre, le révérend qui se caresse, c'est la seule fois du film qui se caresse. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est vrai. C'est que c'est gratuit. C'est juste comme un fantasme de David Descoteaux. Il était bandé comme un maudit. Fait que le gars, il se ramasse attaché sur une table avec des espèces de straps en cuir. Les locaux de la fistinière. Ouais. Ouais, ça. Ouais, à un moment donné, on l'a dit, ce film-là, à un moment donné, ça va être quasiment comme la fistinière. Là, le monde attaché, puis ça, au moins érotique, là, puis en plus soft, là, faut le dire. Là. Lui là-bas, double point. Et alors, le challenge avec l'autre avec qui j'ai dit tout à l'heure, c'est double fist. Avant dimanche. Ouais. Avant dimanche. Avant dimanche. Puis il y a le révérend, il prend une espèce de potion, une grosse bouteille, on dit une bouteille de champagne, puis il verse ça sur le corps du gars attaché, puis il frotte, là, parce qu'il avait passé. Comme si c'était de l'huile ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Puis le gars, on dit qu'il commence à catcher, on dit qu'il est en une espèce de transe, puis il commence à catcher, et qu'il aime pas ça, puis il dit What are you doing? Moi, j'ai noté, Joël, que dans cette séquence-là, le curé qui se flatte, il ressemble beaucoup, il se flatte vraiment beaucoup comme Patrice Lécuyer, qui joue un pyromane en audition avec Simon. Ouais. c'est le feu, puis l'harmonie, puis il est plus bien, là. Il parle Le feu! Puis là, on voit une poupée de vaudou qui ressemble à un gros morceau de gingembre entouré de chandelles. Puis on comprend que c'est une espèce de rituel vaudou avec des effets spéciaux roses dégueulasses. Il y a comme un... Tu sais, on catch vraiment vite qu'il y a un genre de transfert, là. Tu sais, genre, elle se met comme la fille entre les deux. Puis quand il y a un genre de transfert se passe, j'ai comme noté qu'on dirait que le gars est en train de chier en serrant les dents. Ouais, il souffre. En tout cas, ouais, c'est ça. Puis... Le rituel, il fonctionne pas, puis le gars, il meurt en crachant du sang, ça revient, puis il est mort. Puis là, le révérend puis la femme, ben, sont déçus, sont pas contents. Puis là, on apprend, la fille a dit que non, pour que le rituel, il fonctionne, ça prend, faut que la victime soit vierge. C'est original. C'est pur. C'est original, quand même, ça prend un gars vierge. Ouais, dans le cinéma d'horreur, on parle souvent de la femme vierge. C'est vrai, mais ça reste pas tant original. Ça reste du déjà vu, mais c'est sûr que c'est un gars, là.
Puis, en gros, ils doivent sacrifier 6 hommes vierges pour compléter un rituel avant le solstice qui va avoir lieu dimanche. Fait qu'ils doivent donc compléter le rituel avant dimanche. Avant dimanche. Puis, tu sais, quand c'est fini, on comprend que c'est la femme qui est comme le boss, mettons, là, entre le révérend puis elle, parce qu'il essaie d'être un peu coquille, puis il se fait remettre à sa place. Puis là, il dit de « destroy him », tu sais, dans le fond, tu sais, débarrasse-toi du corps, puis il va avec un scalpel. D'après moi, il va faire le saut en tabarnak rendu au zoo avec son crise de petit scalpel. Ouais, là. C'est ça! Tabarnak! C'est super coupant, un scalpel. Ça sert à ouvrir, mettons, la peau, tout ça. Ben, la peau, les muscles, après moi, ça va couper. Les tendons, ça va couper, mais les os... Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est parfait pour un emo, mettons, là, mais pour détruire quelqu'un. Destroy him. Ils font vraiment un plan, un gros plan du scalpel. Parce que, ça fait peur, mais tu sais, c'est pas nécessaire qu'ils mettent ce détail-là. Débarrasse-toi du corps. OK, coupe la scène, là, puis c'est correct. Puis le révérend, il dit, je vais mettre une annonce dans le journal demain pour le remplacer, pour avoir un autre étudiant. Puis là... Un des mes moments préférés du film, le générique. La présentation des personnages. Sacrement que c'est beau. C'est comme juste des beaux gars qui regardent la caméra avec des faces sexy avec le nom de l'acteur à côté. Oui. On dirait des mannequins de catalogue Sears, mais genre l'équipe B. C'est ça. Oui. J'ai noté qu'il y en a un, Drew Fuller, qui a l'air de checker la caméra comme si elle allait comme me violer. Là. Ouais, il est comme un peu penché, ça. Ouais, c'est ça. J'étais comme pas super. J'étais comme, ok. Ouais, mais quand c'est quoi qui s'est fait dire, là. Mais... Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai vu ça, cette scène-là, le reste du film est un peu. Parce que la moitié du film est un peu longue, mais ce générique-là, je me suis dit, ok, ça va être meilleur que Talking Cat. C'est officiel. C'est juste ça. Oui, vraiment. Il y a plus de rire que dans Talking Cat, ça, c'est sûr. Ouais. C'est ça. Probablement, je sais pas, il faudrait revoir tous les films, là, mais c'est probablement le meilleur générique de film dans le cabanon là, qu'on a fait. Pour vrai, c'est vrai que c'est dur à battre. C'est drôle en tabarnak, là. Christopher arrive au Carmichael Bible College. Le personnage principal, pardon. Pour passer une entrevue d'admission avec Madame Bouvier, qui est en fait la madame, l'espèce de sorcière qu'on a vue plus tôt. Puis c'est une très très longue scène qui a du blabla dont on se calisse. Ça arrive souvent dans le film, beaucoup de blabla qui s'en arrive. Ouais, énormément. Là. Ouais, puis elle explique que c'est une espèce de collège expérimental avec seulement 6 étudiants pour le moment pour tester un peu. Puis plus tard, il va en avoir, mais tu sais, c'est juste une excuse pour les sacrifier en fait. Là. Ouais, puis tu sais, lui, il arrive avec son soute qui est comme trop grand, trop grand pour lui. Puis tu sais, il fait comme dans son CV, il était entre autres professeur. Mais tu sais, il a l'air d'avoir 15 ans. Ouais. Mais en Austin, le Jean-Gab, le linge n'était pas très ajusté, par exemple. Ah, OK. Excuse-moi. Là, c'est peut-être la mode, ouais, c'est ça. Comme les vestons propres des années 80-90, c'est des grosses épaulettes. C'était baggy au bout. Là. C'est super louche parce que la madame, tu sais, elle dit que c'est pas comme une école officielle. Ils n'ont pas eu d'accréditation. Puis en même temps, elle a l'air comme plus de le cruiser, mettons. You look a little nervous, Mr. Sawyer. No, I'm fine, really. First time? Excuse me? Moi, j'aurais été inquiet. Là. Tu t'en vas dans une école privée. Puis là, on n'a pas trop d'accréditation. C'est expérimental. Puis là, c'est comme, tabarnak, je vais pas là. Ouais, mais c'est parce qu'il trippe sur le comme l'ancien mari de cette femme-là, là, qui est un scientifique. Puis il a bien étudié ce qu'elle a fait, ce que je pense qu'il veut. Puis il veut vraiment être là. Puis en tout cas, justement, là, il dit que son mari, c'est un scientifique qui faisait des recherches, beaucoup de recherches sur les anciennes religions. Puis il a découvert des ingrédients pour faire de la poudre de zombies en Haïti. J'ai pas trop compris. Puis ça,
faire des médicaments. Puis je sais pas, cette poudre-là, elle sert d'un rituel. J'allais dire, cette scène-là, puis les deux, trois scènes qui suivent avec le révérend, c'est un peu l'équivalent. Tu sais, quand on écoute des films, puis un scientifique avec le jargon scientifique, là, genre des gigabits de données. Des gigabits d'informations. Une fois de temps en temps, il y a des mots du champ lexical de la religion qui émergent, là, qui pop, là, mettons. Fait que c'est comme blablabla, scientologie, blablabla. Ouais, il name drop la scientologie deux, trois fois dans le film. Puis je pense qu'il y a un statement, puis il s'en moque un peu. C'est plus vers la fin du film, on va reparler. Mmh. Mais bref, l'ancien mari défunt de Mme Bouvier, ben lui, il avait ce manoir-là, cette espèce d'école-là, puis il voulait transformer ça en laboratoire, faire des expériences, je ne sais pas trop quoi. Puis là, il y a le révérend Carmichael qui a pris la relève avec Mme Bouvier. Puis là, j'ai noté perche. Simon, oui? Un petit peu plus haut le micro, on voit ta perche à l'écran. Ah, excuse. Christopher, il rencontre les autres étudiants. Il y a Billy, Rusty, Mike et Paul. Puis j'en oublie un, il y en a un autre, je ne sais pas ce que son nom. Ils sont tous pareils. Ça ressemble tous des beaux gars, shapés, blancs, avec des cheveux foncés, clean cut. Tu sais, quand on écoutait Who Killed Captain Alex, puis on sentait mal, on sentait un peu raciste de dire hey, ils se ressemblent tous. On a vécu le même problème, mais avec des blancs. Ben c'est ça, fait que c'est OK, non, ça se peut, c'est pour des blancs. Fait que c'est pas ça arrive souvent là, qu'on écoute des films, puis on est comme OK, là, c'est parce qu'il y a comme 12 personnages de gars bruns, tu sais, genre cheveux bruns, yeux bruns, c'est comme ils ressemblent tous. Des personnages qui sont pas développés, s'ils ont pas de personnalité, ouais, c'est sûr qu'on se mêle. Mais non, mais ils ont toutes une personnalité différente, Joël. Entre autres, t'en as un d'autre qui est en chess, c'est bien chépé, qui se fait des pipes, puis il y en a un qui est sur Internet, t'en as qui lit la Bible, tu sais, ils ont leur personnalité définie. Ben justement, j'y arrivais. Billy qui fait un site web à la Tibot Web. Ouais. Un vieux site internet avec, je sais pas, email et des petits gros liens avec des gifs animés ses lettres. C'est un faux site, là, c'est vraiment juste comme l'animation de début 2000. Puis, parce que Internet, ça sert à rien non plus, c'est juste, c'est pour lui donner un trait de caractère à Billy, lui, il connaît Internet. Parce qu'en 2000, Internet, c'était de shit. Là, c'est comme, c'est cool. Là, on va surfer sur le web, sur la toile. Yeah! Je fais du surf sur mon clavier, comme c'était une planche de surf. On your mark, get set. We're riding on the Internet. Cyberspace, set free. Hello, virtual reality. Interactive appetite. Searching for a website. A window to the world. Got to get online. Take a spin, now you're in with a techno set. You're going surfing on the Internet. Puis là, tous les gars, ils disent tous ensemble « Welcome aboard, Christopher! » « Welcome aboard, Christopher! » Un peu avec une attitude de bully. Mm-hmm. Faut pas se fier aux apparences, mais il me semble que des gars shapés avec une attitude un peu bully, ça a pas l'air d'une gang de puceaux, là. Ça marche pas, là. Non. Puis j'ai une gang de religieux. Ouais, là, La première shot, mais un peu au mot érotique, mettons qu'on pouvait sentir, je pense que t'as le début avec le prêtre, là, mais entre les gars, celui qui est à l'ordinateur a l'air un peu de cruiser notre personnage principal quand il se présente. Hey Christopher, better run while you still can. Mm. Ça revient souvent là, qu'entre eux autres, on dirait qu'ils se cruisent, mettons, là. Ouais, je pense que c'est comme le sous-texte. C'est comme si. Je pense qu'il n'a fait David Decoteau des films que c'est vraiment des vrais homosexuels. Là, qui... Oui. Ouais, je pense que la série de Brotherhood. Ouais. Ça se peut-tu? Ouais. Je pense que c'est homo-érotique, assumé, adressé. Clair. Ouais, c'est ça. Tu sais, vas-y, full pin rendu. Fais pas juste comme des gars comme ah non, ils sont pas gays, ils aiment une fille, mais ils se caressent ensemble. Tu sais, c'est. Vas-y. Je sais pas, peut-être qu'en 2000, il osait pas, je sais pas trop. Là. J'ai un paquet pour toi. Fait que j'ai noté que les 6 étudiants, ils dorment dans une seule chambre avec des lits simples, puis c'est un crise de gros manoir, tu sais. Une chambre, c'est vrai, ça. Une salle de bain, une chambre, puis ils sont tous pognés. Puis c'est sûr que c'est vrai, ouais, j'ai pas pensé à ça. Puis là, il y a la rencontre avec le révérend Carmichael, qui parle aux jeunes, puis on va dire que c'est des jeunes, ben, je sais pas, ils ont quel âge, là. Puis il leur parle en mettant une main sur la cuisse. Ouais. Okay. Puis il est vraiment plat. Son discours est vraiment, vraiment ennuyant. Puis il y a un plan à un moment donné, juste avant qu'il pogne la cuisse d'un des élèves, là, il y a un des gars en avant au milieu qui a l'air crissement de zombie, là. Ouais, non, cette scène-là là, est interminable. Ah, c'est long. Là. Fait son speech de sa religion puis de ses expériences. Puis mais là, il dit que c'est un lien entre la religion et la technologie. Puis là, c'est que c'est la neurocystique.
Trinity Church. Ouais, je ne sais pas. Il y a un confessionnal électromagnétique là, de robot de la princesse astronaute. Vraiment cheap. Là. On dirait que ça a été fait avec du papier Reynolds et une essoreuse à salade. C'est lettre en esti. Puis j'ai noté qu'il y a Christopher, il a l'air. Ben c'est à toi, c'est Anto qui avait dit ça, je pense qu'on l'a écouté. Christopher, il a l'air maquillé pour un photoshoot. Oui. Il est là en arrière, puis il est trop maquillé. Puis moi, j'ai noté qu'il a presque à l'air du gars dans la vieille pub du Centre des Rivières avec trailer. Suivez le courant de la mode au centre commercial Les Rivières. Le révérend qui parle à Rusty, le gars qui s'entraînait tantôt, puis il dit s'entraîner, c'est un péché, parce que tu modifies le corps que Dieu t'a donné, une bullshit de même. Puis c'est encore plus sévère que les témoins de Jéhovah. Qui aime la magie? Jéhovah ou Satan? Satan. Son péché, c'est de s'aimer trop, dans le fond. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que trop de pride, là. Il s'en va dans le confessionnal, puis là, le révérend, il dit ça va prendre 10 minutes pendant ce temps-là, étudier. Puis ça prend, je pense que ça prend littéralement 10 minutes. 10 minutes de blabla, après ça, en temps réel. C'est que c'est long, là. C'est fucking long. C'est plate! Après ça, c'est la scène du bain. Je sais que c'est une belle scène, la scène du bain. Il y a deux scènes du bain dans le film. Ouais, ouais. La deuxième est encore meilleure, celle-là est pas pire, mais c'est Christopher qui jase avec un dos dans le bain. Il n'y a pas de mousse. Il rentre dans le bain. OK, le shaft à l'air. On voit rien, mais c'est juste que... Faites-vous ça. Mais toi Jean-Gab, c'est qui a fait du sport ici? Jean-Gab, tu n'as fait du sport? Moi, j'en ai fait. D'investisseur, est-ce que vous preniez votre bain ensemble? Ben, d'investisseur de sport, tu le saurais, Joël, si tu n'avais déjà fait. Il n'y a pas de bain. Il n'y a pas de bain, c'est vrai. Ouais, c'est non, juste des douches. Des douches. Mais... mettons, est-ce que tu l'aurais fait, mettons? Là, ben non, Chris. Ben non. Ben non. Puis moi, je faisais du patinage artistique, fait que dans l'investiaire, il n'y avait que des femmes. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est en face. Là. Je veux dire, je le vois pas le moment où qu'avec... Mettons, vous venez chez nous, OK? Puis, mettons, on passe la fin de semaine chez nous. Mais le moment où que je vais dire, « Hey, les gars, j'ai tellement envie de continuer à vous parler. Venez avec moi, je vais prendre mon bain. » Je veux dire... Les gars qui dorment ensemble à l'année, en plus. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça arrive, je le vois pas, ce moment-là, mettons. Ouais, mais juste pour en revenir, là, plutôt, ils ont une chambre, ils partagent la même chambre, ils partagent une seule salle de bain, puis c'est ça, ils peuvent pas s'en... Puis ils ont besoin de jaser. Est-ce que je prends mon bain? Mais quasiment fusionnel. Puis sont, tu sais, Christopher, il est à côté sur le bain, là. C'est pas genre, hey, je me brasse les dents à l'autre bout de la salle de bain, ils m'ont regardé prendre ton bain au loin, mais je vois rien. Là. Non, il est à côté, puis on dit tout le temps, mais c'est homoérotique. C'est comme, il y a zéro subtilité, on dirait qu'ils veulent que ça soit un gay porn. Puis tout de suite, quand, mettons, ils jasent pendant un bout de temps, puis t'as Mikey qui passe en arrière, puis le gars dans le bain, il dit, hey Mikey, nice chest, parce que lui aussi, évidemment, il est en chest en rentrant dans la salle de bain. Hey Mikey. Nice chest. What is it, cold in here or what? Pour vrai, là, cette scène-là, là, tu t'enlèves le bain puis ça marche pareil. Là. Ça sert à rien qu'il soit dans le bain, le gars, là, parce qu'il aurait pu jaser dans le salon, je sais pas. C'est ouais, un nouveau décor, là, parce qu'ils ont quand même passé 20 minutes dans le décor d'avant. Fait que... Ouais. le gars dans le bain, il raconte qu'il y a un ancien étudiant qui s'appelle Blake, qui est allé voir Madame voir Madame Bouvier dans sa chambre. Puis ça, en fait, il raconte la scène du début. Puis il la raconte dans les détails comme si on ne l'avait pas vu au début du film. Ouais. Là, j'ai écrit, ouais. Je pense qu'il dit ça, « I got the shaft ». J'ai le shaft. Ah. So, I got the shaft. Il y a la scène du souper à la table. Tout le monde est en veston cravate, sauf Rusty qui arrive en tank top. Ça, c'est celui qui est allé dans le confessionnal. C'est vraiment, il est sorti de là transformé. Là. Je comprends pas, ouais, c'est ça. Puis plus tard, ça revient. Puis... Je comprends pas cette transformation-là. Ouais. Je sais pas pourquoi ils sont de même. C'est comme, il me semble, sont en veston cravate parce que c'est comme le décorum de l'école, mettons. Mais non, ouais. Ils sont faits. Sont confessés. Ah non, à ce temps, tu peux mettre. Mais l'affaire qui est bizarre, c'est, tu sais, on va en parler plus loin, là, quand tout le monde va être transformé, mettons, là. C'est comme s'il se transformait en douchebag. Ouais. Fait il part du monde bien habillé, tout ça, puis il se transforme en douchebag. En fait, c'est du monde bien habillé, un peu gay, en douchebag, mettons, assoiffé de sexe pour fourrer leur directrice. Ben, c'est le Vin Diesel Academy.
Ouais, c'est... Oui. Une camisole blanche avec le petit qui reste. Avec la croix, en fait. Il y a tout le temps une croix dans le cou. Ben oui, ouais, c'est ça. Ou il se transforme en boys band. À un moment donné, il aura l'air d'un boys band pour vrai. Il y a comme ça. Oui, hein. Ouais, moi aussi, j'ai noté ça. Everybody! Madame Bouvier, elle arrive, elle sert du vin à tout le monde, puis les jeunes, ils capotent parce que ça, on peut boire du vin pour vrai, mais Christopher, il refuse parce qu'il aime pas ça le vin, fait qu'il boit de l'eau, puis là, ça va servir plus tard, parce qu'il y a de quoi dans le vin. Après souper, les gars dorment. Les gars dorment mal. Ça, c'est hot, là. Et vu qu'ils dorment mal, ben, ils se caressent. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, il dit comme c'est comme c'est bad dream, ils font juste se caresser puis se toucher. Pour moi, c'est pas un bad dream, c'est un wet dream. Ouais, c'est ça. Faire dans la vache, là. Puis Christopher, c'est le seul qui dort pas. C'est le seul qui a vu qu'il a pas bu de vin, puis il capote, il voit tout le monde se caresse. Puis on voit, à un moment donné, il y en a un qui se caresse, puis on voit clairement, là, genre, son pénis détempé dans les boxeurs. Là. Ah ouais. Quelle couleur, les boxeurs? Gris. Non, gris blanc, là. Blanc cassé, blanc crème. Ils sont blancs, ils sont tout le temps blancs. Oh, blanc, ouais. Pour vrai, la luminosité de ta télé. Ouais, c'est ça. Pour vrai, on jase, les gars. Là. Avez-vous des boxeurs blancs, vous autres? Avez-vous déjà eu ça? Moi, non, faut pas, jamais. Je m'avais acheté, la seule fois que j'avais acheté des boxeurs blancs, c'était quand je t'avais pour partir dans l'armée. Puis, parce qu'il faut tout le temps t'acheter des le même modèle de bobette ou de boxeur, mettons, pour tes affaires parce que t'es pli, fait que faut tout ça pareil. Puis j'avais acheté mes bobettes, mes boxeurs, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, pour vrai, Jean-Gab, tu vas tellement te forcer. C'est sûr que c'est une mauvaise idée, tu vas te chier dans les pantalons. Faut vraiment pas que tu prennes des boxeurs blancs. Fait que c'est la seule fois que j'en ai acheté. Puis effectivement, je pensais que c'était comme pour pouvoir différencier plus vite les propres des salles. La trace de break dedans. Là. Ouais, c'est ça. Virk. Caca. Ce bout-là, là, où il se caresse, c'est très long. Là. Ouais. Genre, on comprend ce qui se passe. Ouais, on comprend vraiment ce qui se passe. Comme, OK, ouais, ça va-tu finir? Puis je me suis demandé, c'est quoi qu'il a dit aux acteurs pour qu'ils acceptent de faire ça? Hey, tu vas te caresser pendant genre 10 minutes. Ouais, mais je pense, pour vrai, il les a engagés pour leur physique. Sûrement à la base, qu'ils Oui. Ils leur ont dit, OK, ouais, faut que tu sois beau parce qu'il y a des seins qui étaient en chest, puis faut que tu te caresses, puis je sais pas. Mais ça devait être cringe. Je sais pas, hein, il devait avoir la main dans les culottes, là. Mais d'ailleurs, la cote de la VHS, il avait coupé beaucoup dans ces scènes-là. Puis David Decoteau a pas signé le film sur la cote de la VHS. Ouais. Probablement parce que c'était pas assez homoérotique à son goût. Ouais, c'est ça, la version DVD. Hein? La version qu'on a écoutée, c'est vraiment la version qu'il voulait. Puis tout ce qu'il a rajouté quasiment, c'est des scènes de caressage de chest. Là. C'est juste. Après, nous, on a écouté la version que lui voulait. Oh, oui, c'est ça. La Decoteau cut, okay. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, mettons, pas avoir eu ces scènes-là, ça aurait enlevé du cringe puis du drôle, je pense. Du risé, ouais. Ouais, je préfère, ouais. Parce que, tu sais, c'est long, là. C'est long. Oui, ça revient plus. Pour vrai, on en parle, là, depuis tantôt, là. On pourrait laisser jouer la scène en picture-in-picture, puis elle serait pas encore finie, je pense. Ouais, c'est ça. On va regarder un extrait. Il y a, on voit Madame Bouvier qui espionne les gars qui se caressent via un trou sur une croix dans un mur, un peu à l'air psycho. Là. Il y a peut-être un petit montage qu'on pourrait faire. T'as pas de bon sens. Rusty, j'entends des os. Puis on voit Rusty qui est somnambule, il se lève de son lit. Il monte en haut, il va voir Madame Bouvier dans sa chambre, un peu comme au début du film avec Blake. En fait, c'est 100% la même crise de scène. C'est la même affaire, c'est ça, ouais, exactement. Il y a Madame Bouvier qui parle à Rusty, dit « Dis-moi que tu me désires. » Puis il y a le révérend qui met la main sur l'épaule, un espèce de jumpscare, met la main sur l'épaule de Rusty, avec un espèce de cue musical. Mais tu sais, un jumpscare raté parce que la musique n'est pas assez forte, tu sais. C'est pour, un petit coup de violon au mou. Là. Mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, mettons, la madame, elle veut se faire désirer, tout ça, puis c'est ça à chaque fois, dans le fond. Là, elle veut comme, c'est comme un peu une succube, si tu veux. Ouais. Fait que, en gros, pour que son rituel fonctionne, il faut qu'elle ait blue balls. Ouais, c'est ça, je sais pas si tu veux. Elle veut avoir des avances, puis là, une fois qu'elle les a, oups,
à tes attaches pendant une demi-heure sur leur table. Tu te crisses ta casse-pissette! Puis là, le rituel, c'est encore le rituel, ils versent du vin sur le corps, ils frottent le corps, puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Les gars se frottent le chest encore. Frotte, 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 frotti, frotté, frotton! La transmutation, mettons, là, ouais. C'est long. Mais l'affaire, c'est sans intérêt parce qu'on l'a vu, cette scène-là. La première scène, c'est une scène de transmutation, tu sais. C'est un peu les, ouais. C'est un peu les scènes érotiques dans The Room. Là. Il y a trois scènes de base quasiment copiées-collées avec une toune originale. Ouais. Puis la seule chose qui diffère, c'est la toune, mettons. Ouais. C'est du remplissage, là, je pense. Pour vrai, c'est un film, t'enlèves toutes les scènes qui servent à rien, il reste plus grand-chose. En même temps, c'est-tu si surprenant de quelqu'un qui réalise 5 longs métrages par année? Non. Non, c'est pas peaufiné. Puis là, il y a Madame Bouvier, ben, fait le rituel. Il y a des effets spéciaux roses, comme au début du film. Il y a la tête de Rusty. Là, le rituel, il fonctionne cette fois-ci parce que Rusty était vierge, ça a l'air. La tête de Rusty se retrouve sur une poupée voodoo. Puis ça, là, c'est un des meilleurs bouts du film. Là. Les effets spéciaux, la tête comme Rusty. La tête qui... Puis il parle pas, hein? Il y a une poupée avec des têtes qui parlent. Ils font juste des... J'ai noté qu'on dirait le clip des Cobras de la nuit avec les têtes sur le corps de bébé. Mais je vois les VFX de qualité discutable, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'œuvre de David Descoteaux. Je suis tombé sur une vidéo hommage sur YouTube de l'œuvre de David Descoteaux qui date de 2017. C'est une compile des plus beaux plans, entre guillemets, avec beaucoup, beaucoup de plans d'effets spéciaux de ces films, genre des 20 dernières années. Ben, tu sais, on se rappelle Talking Cat, là, le chat qui parle. Là. Quand il parlait, là, avec l'Oval qui bouge un peu. Là. I'm a talking cat, but I can only talk to a person once. Il y a Christopher, que lui, il dort pas, il a tout vu ça aller, puis il se faufile, puis là, il entend Madame Bouvier puis le révérend parler de leur plan maléfique, puis là, il découvre les poupées sans tête, fait que là, il est au courant de tout, lui, là. Puis le lendemain matin, il y a Christopher qui parle avec Billy, qui est comme, là, il est rendu un peu douchebag. Il y a une coupe de Nick Carter. Ouais, ils sont tous rendus douchebags. Ouais, c'est ça. C'est fini, là, le côté gay. Là, ils sont passés à autre chose. Oh, ils sont macho. Vraiment, le pire, c'est vraiment ça. Ouais, c'est bizarre un peu. Là. Puis il y a Christopher qui capote parce qu'il dit que Rusty est disparu pendant que les autres se frottaient. Il y en a un qui va l'appeler Biggie, je pense. What the hell is going on here, guys? What's wrong with you? I'm just being a little free today, that's all, no Biggie. Biggie! C'est ça, tous les étudiants arrivent à bien en moté, puis on sait pas pourquoi. À part Christopher. Puis il y a Madame Bouvier qui a. Articule, tabarnak, je comprends absolument rien. Madame Bouvier, elle arrive, puis elle dit qu'elle a découvert que Rusty avait fumé du pot, puis qu'il a été renvoyé du collège. C'est pour ça il a été remboursé. Ah ouais, on veut pas de ça ici. Oui. Ben, c'est correct d'abord. Là. Puis c'est ça, toutes les. À part Christopher, tout le monde, personne. On dit qu'ils sont tous brainwashed déjà, mais en même temps, ils n'ont pas tous eu. Mais c'est le vin, c'est le vin qui fait ça. C'est le vin, ouais, c'est vrai, t'as bien raison. Mm. Michael rentre dans le confessionnal avec le révérend. Oui. Puis là, le révérend, là, on voit ce qui se passe dans le confessionnal, le confessionnal Star Trek un peu. Là. Ouais. Puis le révérend, il pose des questions. As-tu péché? Puis il demande, est-ce que tu te touches le soir? Puis le Michael, il est comme dans la transe. Oui, je me touche le soir. Puis montre-moi comment tu Show me touches. How you touch yourself. Open your shirt, Mr. McCready. Put your hands on your body. Show me how you touch yourself. Fait que là, il se déshabille. Ah, puis il se caresse encore parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de scène de caresse. Oui, mais là, c'est top gay. Là. Il va même sucer sa croix. Là. T'sais, là, c'est vraiment top gay. Ouais. C'est pas gay parce que là, Madame Bouvier, elle arrive et elle dit Michael, est-ce que tu me désires? Ah oui, c'est vrai. Puis là, Michael, il dit, il était hypnotisé puis il dit You're my queen. Fait que tout ce temps-là, ben, il pensait à elle. C'était pas gay pantoute, là. Voyons donc, j'en garde. C'est pas gay ce film-là. Là. Excusez. Voyons. Il y a Christopher qui confronte le révérend et dit oh, on va aller voir en haut dans le grenier les poupées. Mm-hmm. Puis, en tout cas, il menace et ça marche pas. Puis là, il y a une autre scène de bain qui est une des meilleures scènes du film, je trouve. Là. Il y a le révérend qui arrive derrière Sam qui est dans le bain tout seul cette fois-ci, puis il flatte les épaules un peu, là, puis il verse du vin ou la potion magique sur le corps. Puis il y a des petites particules roses, avec un gros close-up de sa face. Et en tout cas, c'est l'air d'un sapin de Noël. Puis là, il se transforme en poupée.
mais il n'a pas eu besoin de se faire attacher. On dirait qu'il a comme bypassé des étapes. Puis ça mérite un extrait, ça. Il y a Christopher qui fait son enquête tout seul, puis là, il se retrouve dans une pièce, dans la pièce où est-ce qu'on voyait Mme Bouvier espionner via dans le trou avec la croix. Puis il voit. Les... Qu'est-ce qu'il voit? Devinez, qu'est-ce encore qu'il voit? Du, encore voit, du flatteur. Encore du monde qui se touche la nuit. Fait que Michael, encore là, c'est répétitif. Là, Michael, c'est à son tour d'avoir le rituel. Puis là, cette fois-ci, Madame Bouvier, elle devient comme un démon. Elle est habillée en lingerie, puis elle se transforme en une espèce de succube. Elle a des cornes, puis des longs ongles noirs du Dollarama, là. C'est de plastique cheap. Ouais, comme tu n'es pas sans rappeler l'espèce d'affiche bizarre du film aussi, là. Ouais, c'est un spoiler. L'affiche, c'est vrai que c'est un spoiler, c'est en poche. Il y a deux affiches du film. Je pense que l'affiche originale, c'est ça, avec elle qui est comme en espèce de démon, puis les faces des gars en bas. Puis il y a une autre affiche que c'est juste les gars, comme le générique au début, il fait genre. Il regarde, la caméra, puis c'est juste ça le poster. Là. Ouais, puis c'est là qu'on a un peu son plan, là, tu sais, elle veut faire une armée genre de zombies. Une armée de zombies, un peu comme la fin de le scaphandrier. Le film qu'on fera jamais en cabanon, on en parle depuis le début, puis on dirait qu'on leur pousse tout le temps ça. Là. J'aime mieux entretenir le mythe. Ça m'a toujours fait rire, moi, dans les sitcoms, les personnages dont on parle à chaque épisode, mais ils sont jamais là. Là. Qu'on voit jamais. Le scaphandrier, c'est ça. Mais on va se rendre, quand les films dans le cabanon vont arrêter, puis on va se rendre compte que ce film-là n'existe même pas. Genre. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Il y a, tout ça, là, pendant le sacrifice, pas le sacrifice, mais le rituel, il y a Christopher qui voit tout ça à travers l'homme dans le petit trou. Puis là, il y a Mme Bouvier qui dit au révérend d'aller chercher Christopher, c'est à son tour pour le sacrifice. Puis là, le révérend, il arrive et il surprend Christopher en train d'espionner. Mais si tu es en train d'espionner, tu devrais savoir que le révérend s'en vient de pogner. Tu l'as vu. Ouais, ça marche pas. Il s'est téléporté comme Jason. Mais peut-être qu'il regardait pas dans la bonne pièce, Christopher aussi. Peut-être que lui, ce qu'il regardait, c'était Star Wars Kid en train de faire des... Non, en fait, ce qu'il regardait, c'est les gars se caresser. C'est ça qu'il regardait. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, d'autres. Il y a Christopher qui se retrouve sur la table. Sur la table du rituel, puis là, il est pas en transe, il est pas hypnotisé. Qu'est-ce que c'est? Madame Bouvier, elle lui explique tout. Elle lui explique son plan maléfique, puis on dirait que c'est comme un cliché, on dirait. Là. Il m'a dit, avant de te tuer, il m'a dit tout, c'est quoi mon plan, là, tu sais, au complet. C'est sûr que tu vas pas survivre, c'est sûr que tu vas pas t'échapper. Ben oui. Il m'a tout te dire en détail, c'était quoi mon plan. Puis en gros, c'est l'ancien mari de Madame Bouvier. Et c'est lui qui a commencé ça, des sacrifices. C'est ça que j'ai compris, je suis pas sûr. Mm-hmm. Il faisait des sacrifices vaudou puis pour donner des âmes pures à un dieu. Ouais. Ou un démon Pécuto, je sais pas trop. Ouais. En échange de ses pouvoirs, quand il est mort, ben là, Madame Bouvier a pris la relève. Puis elle fait comme un. C'est pour ça qu'elle se transforme en espèce de démon. Puis là, il y a comme un statement de la scientologie, parce qu'elle dit qu'elle a inventé une religion pour bullshitter, pour attirer des vierges, mettons. Là. Puis elle dit que le révérend, c'est son L. Ron Hubbard, le créateur de la scientologie. C'est comme tu vas créer, tu vas faire des livres. L'auteur, là. L'auteur, tu vas faire des fausses études, tout ça pour attirer du monde. C'est comme, c'est quand même. C'est très bon, moi, je trouve. Ouais, ça, c'est bravo. C'est bravo, là. Bravo, le film. I created a fake religion, put my dear friend Carmichael into the role of a dime store L. Ron Hubbard, and presto. D'ailleurs, c'est sorti la même année que Battlefield Earth. Fait que, Anto, je sais pas c'est quel des deux films que t'as préféré, là. À Voodoo, 100 000 à l'heure. Je sais pas, Jean-Gab, mettons, si t'as à choisir. Ah, Chris, pas. Non, je peux pas me prononcer là-dessus. Ah ouais. Non, je peux pas parce que faut que je continue le mythe que j'ai vraiment trippé sur Battlefield Earth. Là. Ce film-là est un chef-d'œuvre. Le Christopher. Oh, la grosse punchline de film d'action. I'm not a virgin. I'm not a virgin. What? La grosse punchline de film d'action. Non, mais c'est comme.
Non, mais c'est comme dans les films d'action. On se souvient tout de Van Damme qui colle ça. Ouais. Non, mais Bruce c'est... Willis dans Piège de cristal, tu sais, quand il dit « I'm a virgin » avant de sauter dans l'avion. Non, mais c'est pas les mots, c'est la manière qu'il dit. C'est comme, tu sais, juste avant de se libérer, « va chier, tu sais, je sais pas trop. » Yippie Kaye, motherfucker, mais après ça, tu sais, c'est « I'm not a virgin ». I'm not a virgin. Ouais, c'est ça. Il dit ça, puis il se libère de ses liens. Je sais pas trop comment qu'elle fait. Je sais pas trop catcher. Fait que là, Madame Bouvier, elle lance des particules, un espèce de spell. Pff, elle rate, puis ça brise l'espèce de potion, la grosse bouteille de champagne ou de vin qui était là. Puis ça scrape tout. Mais ça leur envole dessus. Ah, OK, j'ai pas vu, ça revole dessus. Ouais. OK, ouais, c'est ça. Puis là, ça tous les autres étudiants qui étaient encore en vie, ils arrivent, puis ils voient tout ça. Ah, c'est vrai ce que tu disais, Christopher? Puis on voit le révérend et Madame Bouvier sur une poupée vaudou. Là, elle a deux têtes sur une. Deux têtes sur un corps. Ça sérieux, Madame Bouvier avec ses spells de particules. C'est la version Wish de Scarlet Witch. Ouais, c'est ça. Oh, c'est Scarlet Wish. Scarlet Wish. Oh là 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 là. Bien joué. Félicitations. Fait que le film, ça finit de même. C'est vraiment, tu vois la poupée vaudou à deux têtes, puis ouais. Fin. Ça finit super raide de même. Il aurait pu ramener le générique du début, au moins quelque chose. Ou moins, ou du moins la toune. Si tu regardes les rankings de David Descoteaux sur Rotten Tomatoes, il n'y a pas un film qui a une note des critiques. Puis il y a peut-être la moitié de ces films qui a des notes des auditeurs, mais c'est toutes des pop-corn renversés. C'est tout en bas de 60%. OK. Toute la gang. Ah ouais. Ouais, mais ça, je sais pas. Y a-tu, je serais curieux de savoir, y a-tu un film dans toutes les. Comme 169 films, y en a-tu un qui est comme pas pire, mettons, là, qui est passable? Ben, je pense qu'il y en a qui sont bons d'une certaine façon. J'ai écouté une critique qui disait que le premier Puppet Master qu'il a fait, qui est le troisième, apparemment que c'est le fun, mais je sais pas dans quel sens il disait ça. Tu sais. Ouais, parce que les Puppet Master, c'est une série de films qui en a une couple, là, je pense. Il y en a pas mal, ouais. Ouais, ouais, il y en a pas mal, ouais. David Decoteau, ils ont pas tous réalisé, mais non. Il a fait une couple, dont Retro Puppet Master avec Greg Sestero. David Decoteau a commencé sa carrière, genre début des années 80, puis il travaillait comme avec Roger Corman, c'est ça, Corman? C'est ça. Il a été. il a travaillé, si j'ai bien compris, une nuit sur Escape from New York de John Carpenter, puis si tu prends le Blu-ray de Shout Factory, il y a un Blu-ray d'extra, un disque 2, sur lequel il y a un bonus qui s'appelle My Night on Set, an interview with David Decoteau. J'ai l'impression que ses débuts de carrière, je pense qu'aujourd'hui, il fait que de la style marde, là. Je pense qu'il fait des films à souffleur, parce que je pense pas qu'il a fait ça, qu'il faisait pas 8 films par année. Beaucoup de TV movies. TV movie de Noël, trailer pour la Lifetime Movie Network. Je serais curieux de savoir, il a fait combien de films avec Eric Roberts, d'en avoir beaucoup. Mais Eric Roberts revient dans ses films, dans sa série The Wrong. Ah ouais. En fait, il y a vraiment des passes, ce gars-là. Il y a vraiment une passe où il faisait des A Talking Pony, A Talking Cat, A Talking Si, ça. Après ça, 5 ans de films The Wrong machin pour le Lifetime Movie Network. Parce que quand les producteurs voient tout son talent, ils disent « Peux-tu m'en faire un autre avec un cheval qui parle, s'il te plaît? » « Peux-tu m'en faire 25? » « Ah non, il m'en faut d'autres. » mettons, je vous pose une question. Vous avez le choix de faire un film une fois de temps en temps, puis vous ne gagnez pas votre vie avec ça, mais c'est des bons films, ou vous travaillez temps plein à faire des films, puis c'est tout le temps un peu de la marre, mais vous êtes temps plein là-dessus, puis vous gagnez bien votre vie avec ça, là. Moi, j'aimerais ça être collaborateur. J'aimerais ça pas être le réalisateur, mais être un artisan pour un réalisateur comme David Descoteaux régulièrement, là, mettons, être genre son DOP ou un truc de même, je le ferais. Ouais, parce que c'est pas ton nom. Ouais, parce que ça paraît pas de temps. Là, c'est pas tout le monde qui va regarder c'est qui le DOP, là, mettons. C'est pas ouais, non, je le ferais juste pour voir comment que ça se passe. Parce que clairement, le gars, il doit avoir une certaine discipline pour en être rendu à comme au-dessus de 160 films. Je veux dire, ça doit marcher en quelque sorte. Là. This is my family. I can't have a perfect family. I am gonna damn well make one! Honey, I'm home! The Wrong Stepmother. Premieres Friday at 8 on Lifetime Movies. Mais moi, pour répondre à ta question, Joël, je pense que j'aimerais mieux
faire moins de films, mais des meilleurs films. Ouais, oui, tu gagnes pas ta vie avec ça. Ben, tu sais, je la gagne pas actuellement ma vie avec la vidéo, fait que tu sais. Ouais, ouais. Mais mettons, je prends une pause de 6 mois pour tourner un film, je retourne à ma vie normale, mais que le film que j'ai fait, mettons, est bon. Ouais. Parce que j'ai l'impression, je sais pas, tu sais, moi aussi, je pense que je ferais ça comme. Ben oui. Je le ferais une fois pour le fun, là, participer, mettons, à un de ces films. Mais ceci étant dit, je. Tu sais, comme Anto, là, tu sais, je triperais. Ouais, c'est ça, j'ai pas répondu à ta question, mais oui, j'irais plus pour la qualité que pour la quantité, sauf que travailler avec un de ces artisans-là, moi, je le ferais, là. Mettons, ah, ça, je vais d'un directeur photo pour son prochain film, là. Je sais que c'est un Montréalais qui a réalisé le dernier film écrit par Greg Sestero, Best Friend. J'étais comme fuck. Ouais. J'aurais voulu ce gars-là, je pense. Ah! You drive me crazy, John! David Decoteau a réalisé une suite à Voodoo Academy en 2012. Puis celui-là, il a été tourné dans sa propre maison, tu sais, la maison dans Talking Cat et des porns aussi, des fois. Il y a beaucoup de films, en fait, dans cette maison-là. Il y a d'ailleurs une vidéo sur YouTube consacrée au mystère de cette maison-là. Puis on comprend à qui appartenait la maison. Je pense que la maison appartenait à un criminel avant. OK, fait que ça n'a pas coûté cher. Ben, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais ouais. Mais c'est une petite baraque de riche avec vraiment une piscine. Ah ouais, c'est vraiment atypique comme maison, du moins comme décoration, l'espèce de demi-voiture rouge. Vroom, vroom. Je regardais la bande-annonce de Voodoo Academy 2, puis je pense que David Decoteau, il trouvait que le premier film, c'était pas assez homoérotique. Dans le deuxième film, du moins dans la bande-annonce, les personnages sont tout le temps en chest. Ou presque. Tu sais que c'est drôle. Costume de bain, puis ça a quasiment l'air self-aware. On dirait que c'est une joke, je sais pas trop, mais ça serait à voir. Je pense que moi, je serais game de le voir peut-être pour le cabanon. Hein. It's been mine to take all along. Fait que sur ce, je remercie Les Grands Bois pour l'excellente bière, la microbrasserie Les Grands Bois. On remercie également Cuisinic. Si vous voulez un meuble plus beau que ça ici, en arrière de moi, là, ben, allez voir Cuisinic sur Facebook, Instagram et cuisinic.com. Appelez Cuisinic si jamais vous voulez un meuble plus solide que mon meuble d'ordi. Fuck!